Waouh. Hé. Ça, c'est du Yoshi quand même. Alors du coup on va attendre ici. Apparemment il passe par là le bateau quelquefois. Et en plus on a de quoi alimenter Yoshi. On peut manger des noix de coco. Ah bah du coup c'est des noix de coco ces trucs là, ouais. Un feu d'artifice de Yoshi. On voit bien comme Yoshi transpire dès qu'il essaie de me porter. Ya. Allez, je vais y arriver. En plus, il fait un petit cri tout mignon, comme s'il était content de me porter, alors qu'en fait, ça doit être une sacrée galère pour lui. Bon, ça va être le moment. Alors ce bateau-là fait juste l'aller-retour là-bas, là-bas. Moi je veux le bateau qui est là-bas. Celui-ci. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant on ne bouge plus. Puis on attend. On attend normalement juste à mi-chemin à peu près. Il y a un pilier avec une banane dessus. Il faut s'arrêter dessus ou alors la gober, je sais plus. La gober au passage, je sais plus exactement comment ça se passe. Et puis sinon, Goron, tes épreuves, comment ça s'est passé? T'as terminé toutes tes épreuves ou il t'en reste encore une ou deux? Ouais, je pense qu'il faut que je m'arrête sur la plateforme pour récupérer l'autre bateau qui est là. Ouais, c'est Goron qui avait des épreuves. Je sais pas si c'était le bac. Enfin, si, je me sens que c'était le bac, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. Là, par contre, il faut surtout pas se louper parce que on a fait quand même pas mal de chemin. J'ai eu très peur. Hein. J'ai eu très 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 peur. Ah, vous imaginez le bonheur que ça doit être pour Yoshi? Nourriture infinie. Elle réapparaît devant lui. Il peut passer ses journées à manger. Et là, on ne doit pas louper le dernier bateau. Non, Yoshi veut la banane. Le pauvre, il veut la banane. Thank you.
Oh, il y a un piou-piou dans l'eau. C'est un piou-piou jaune. Quand on le, quand on arrive à, à le mouiller assez souvent, ou à le gober avec Yoshi, si ça marche, il nous donne un soleil. Où est-ce qu'il est, l'oiseau? Il est passé où, l'oiseau? Il a disparu? Je l'entends, mais je le vois pas. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait de manger l'oiseau. Ah mince, toi aussi t'as des soucis de clavier, Noé. Bon, j'espère que ça sera une mission pas trop difficile. En plus, il n'y a pas de vie. Bon, ça va, on en a 18 avec nous. Ah ouais, je crois que je me souviens d'ici. Je crois que je vais pas aimer cette quête, enfin cette mission. Non, non, non. Est-ce que je peux sauter dans la flotte? Ah ouais, voilà. Oh là là, ça va être horrible. Aïe. Je me suis cogné. Ça va être très compliqué. Ralenti. Non mais... Non, tant pis, je suis mort. Ah là là, en plus j'avais réussi à arrêter le nénuphar, comment j'ai fait? Ah, regougou Gluto, comment tu vas? Allez, je ralentis suffisamment le... Oh, merci du follow, je sais pas c'est qui, il faut que je regarde. Mince, j'ai pas eu le temps de voir. Zut. Eh ben merci du follow, la personne qui a follow. En plus, normalement, enfin, avec mes deux écrans, je me suis organisé pour avoir suffisamment de place pour voir tout ce qui se passe, mais j'arrête pas de me louper à chaque fois. Allez, ralenti. Waouh, on a été trop vite, stop. Est-ce que je peux prendre la vie? Ou alors, je suis trop gourmand. Eh ben merci Gluto, c'est gentil. Et puis eh ben, j'espère que les streams te plairont à l'avenir comme au présent. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il s'est arrêté comme ça, Nénuphar? Non, j'avais fini. Je pense que j'ai retenu le nénuphar trop longtemps et du coup j'ai usé sa date. Ok, donc en fait il faut retenir le nénuphar le moins possible. Ouais, ok, bon. Les trois premières pièces sont obtenables sans bouger nénuphar. Par contre, la quatrième, c'est pas possible. Non, les 4 premières pièces, on peut les avoir, la 5e, c'est pas possible. Je vais essayer.
C'est trop dur. C'est trop dur. Je vais essayer de ralentir seulement quand ça devient tendu. Comme là par exemple. Stop, ralentir. Oh non mais. À chaque fois. À chaque fois. Aïe aïe aïe. Grave. Saleté de nénuphar. Putain, j'avais fini et puis. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. La première fois. Enfin, tout à l'heure j'ai essayé, ça passait tranquille. Et là, ça ne veut plus. Et si jamais j'ai plus de vie là-dessus, il va falloir que je recommence tout avec Yoshi, ça va être horrible. Non, on va y arriver. Oh là là. Le face spam. Non mais. Y'a moyen de tricher? Genre là je triche là, non? Puis au début, y'a pas un autre nénuphar qui va apparaître? Je me demande si on peut tricher. Je veux pas mourir, recommencer. Je suis sûr y'a moyen. Non, mince! C'est pas possible! Bon, alors on peut tricher, mais il faut être super agile. Et moi je suis pas agile du tout. Ralentis, ralentis. Ralentis, je dis, ralentis. Oh mon dieu, je suis en train de bugger. Mon dieu, j'ai réussi! Et là, je tombe dans l'eau, pouf! Voilà! Ah, j'ai pas vu, mais il y avait un tuyau! Ça veut dire qu'on pouvait passer de la fin du parcours au début du parcours et recommencer pour récupérer des pièces, si jamais on en avait loupé. Ok, d'accord, ok. Ben, je savais pas du tout, moi je pensais que c'était du one shot. Tant pis, moi on a réussi. Alors du coup il nous reste encore une demi-heure devant nous. Alors je vais commencer les 100 pièces. Et comme ça demain on finira les 100 pièces et puis on ira faire le dernier parcours. Ou alors on commencera par le dernier parcours. Puis on continuera les 2 pièces, on verra en fonction de ce qu'on a. Comme ça je pourrais mettre un joli titre qui va bien, du genre aujourd'hui on finit le jeu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... Je vais prendre le dernier. Je sais pas, enfin je sais pas s'il y a un parcours qui est plus upsie qu'un autre pour obtenir les pièces. Dans le doute, je vais prendre celui-ci. En plus, il y a Yoshi, il y a tout ce qu'il faut. Bon, objectif 100 pièces. J'adore le soleil, mais il faut quand même faire attention à ses yeux. T'as mon garçon, essaye une paire de ses lunettes. Elles sont super classe, non? Hé hey, hé, quel look. Reviens me voir dès que tu n'en as plus besoin. Ça te va? Viens me voir si tu as besoin de mes lunettes. D'accord, petit bonhomme?